Salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur la route sur Project Zomboid. C'est terrible ce qui nous arrive, je suis quasiment mort, je suis allé dans la bagnole. Comment ça va tout le monde? Ça va, ça va. L'arbre. Mais faites gaffe, hein, parce que je suis devant avec mon van là, mais clairement, je roule pas vite. Hein, donc. C'est pas moi qui vais être rattrapé, je pense. Moi je suis à fond. Hein. La chevalier d'Arc, normalement, elle peut largement dépasser tout le monde. Je viens à peine d'atteindre l'endroit où on s'était arrêté avec l'ambulance. Je crois que j'en suis pas loin. Moi, je suis à fond, parce que de toute façon, il faut que je fasse un maximum de distance avant de mourir. Mes bandages sont sales. Et surtout, elle va vraiment pas vite si je m'arrête, à mon avis. Elle va pas mourir. Vite. Bah, normalement, tu vas beaucoup plus vite que nous. Donc après, peut-être qu'elle a un petit peu souffert. Je viens de passer l'ambulance. Je viens de passer le virage vers chez nous. Quand tu descends, je suis à fond du côté droit, hein, donc si tu veux dépasser, c'est par la gauche. Alors vitesse max, c'est 90 miles par heure, là, ma voiture elle va pas plus. Je sais que la route est quand même plutôt mal, dégagée. Vrai. C'est déjà pas mal, hein, pour un gros veau comme ça. Par contre, son accélération, clairement... Mais c'est fou la quantité de zombies qu'il y avait, et pourquoi il y a autant de zombies sur la route? On les a attirés en faisant le premier trajet, peut-être? Bah je pense que ouais, les bagnoles ça fait du bruit, hein. Puis il y a une histoire de silencieux sur les voitures et de base ils sont quasiment tous endommagés. C'est un truc de dingue. Mais le brouillard est vraiment bien simulé, hein. Je peux vous dire que hier là j'étais sur l'autoroute dans le brouillard, c'était pareil. La même, hein. Ah ouais putain, tu faisais pas ton malin. Hein. On n'oublie pas sur la route qui redescend, à un moment t'as deux voitures qui bloquent le chemin. Ouais, il y a une grosse horde de zombies aussi à un moment. Ah super. Tu sais, le truc où Damien il m'a dit ouais, passe en haut, c'est la merde. Il a fait x2. Je viens de passer l'ambulance. T'auras des réparations à faire, je crois. Ouais, mais c'est pas un souci, ça t'inquiète. Bon, normalement, je ramène plein de livres. Hein. On retrouvera la voiture là où elle sera, de toute façon, si elle est sur la route. Si je meurs pas de faim ou de soif avant, ou que je me perds pas. Ah, c'est vrai que moi je suis la route en essayant de guetter, j'arrive dans la forêt. T'as fait le virage ou pas? Ah oui, j'ai passé le virage depuis longtemps, ouais. J'ai passé les deux hordes de zombies de l'allée. Et là j'essaie de guetter la route pour remonter, qu'on aurait déjà exploré. Je pars du principe que si c'est la bonne, elle est explorée sur ma carte. Par contre j'ai pas passé les voitures au milieu du chemin encore. Donc c'est après ça, de toute façon. Je viens de passer le virage. Ça fait toujours ça de fait au bouquin que j'ai sur moi. Et c'est attention, fou, cette après ville. Tu vas avoir deux hordes de zombies à un moment. Mais ils sont bien sur la route, donc faudra rouler sur l'herbe. Hein. Allez, on y croit, on est sportif. On a du carburant. Oh putain, la vache, c'est brouillard. Y'a des nappes, moi, je suis des toujours fois. À 10 de vie. Putain, je voulais qu'on ramène des fournitures de docteurs, des bouquins, des armes. Au final, bah, on a rien. Bouquins. Si, on a les bouquins on a et les fournitures de docteurs, ouais, on a trouvé une ambulance. Je viens de passer les produits frais. J'ai fait la même démarche que Slam quand je suis rentré, j'ai blindé un max et puis je me suis barré. Ah, moi je suis même pas rentré vu que je tournais devant pour essayer de les attirer devant. Moi j'ai pas réfléchi, hein. J'ai même des livres en double. Hein. Ouais, bah, ah c'est moi j'ai tout pris, moi j'ai fait tout prendre et hop. Ouais c'est pareil, j'ai deux fois électricité volume 1, deux fois électricité volume 2. C'est pas grave, posez-vous pas de questions. Il a ouvert son sac, il a mis son bras, il a avancé, il a fait tout et puis on se casse. Par contre t'as posé sur le siège ou un truc du genre que ton futur zombie se barre pas avec? J'imagine qu'il va sortir de la voiture et se tirer. Moi j'ai tout mis sur le siège. Écoute, je te dirais que je suis stable. Ah putain les voitures. Aïe, l'échec critique. Les voitures, en fait, elles sont juste avant la route pour remonter. Bon, j'ai un peu frôlé un arbre, on va dire. J'aime bien ta voiture, avec vraiment... Elle est enroulée autour de l'arbre. Ouais, je l'ai frôlé, quoi. Voilà, c'est ça. Mon mec commence à être très très fin, à avoir très très faim. En plus, je suis en panique, moi, j'avais donc du coup, en partant, je vois rien. Moi, j'ai...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 icônes rouges. Oh putain. Et toi, Damnet, tu t'en sors comment d'ailleurs? En train de fouiller un motel. Et je tue des zombies à coups de poêle à frire. Voilà. T'as trouvé une poêle à frire au moins. Moi j'ai un petit râteau à main. J'ai mon petit râteau pour pouvoir fermer mes plants de tomates. Tu veux esquiver si tu veux esquiver les voitures, tu longes la ligne à droite dans le sens de. Faut passer en bas de la route, ouais. À droite de la route. Bon, je suis arrivé à la maison. À vrai dire, je regarde pas tellement la route parce que je suis en train de faire les transferts d'objets. Mieux de regarder la route. Bah bon. On peut pas tout faire. Pas faux. Dans l'herbe, il arrive à rien le van, quoi. Putain, et les zombies sont notre parking, sérieux, quoi. En vrai, la poêle à frire, c'est pas dégueu, hein. Non, ça fait le taf. Quand t'as rien d'autre, ça fait le taf. Franchement, j'ai vu pire. Bon, je me gare en haut, du coup, avec mon van. Par contre, dans les motels, à part avoir ce qui est déjà pas mal, mais un livre dans chaque commode, et t'as plus rien d'autre, hein. Ah ouais, oui, c'est la merde, hein, ils sont... Oula, mais y'a du monde là qui arrive sur moi. Cours. Ouais, je suis dans un couloir restreint, ils sont 5. Ok, va falloir esquiver, mec. Hein. Oh putain, je suis tombé, c'est pas mon plan. C'est pas mon plan. Ah, je suis tombé deux fois, c'est pas mon. Excusez-moi, tout va bien. Ok, je me entaille saignement et gratigner saignement. Très bien. Bon, je vais essayer de trouver mieux que ce râteau à main. On a bien une étagère où on a des armes. Vite, la matraque de police, j'ai testé, c'est de la merde. Et dire qu'à 2h20 du matin, j'étais en pleine forme. Ouais, ça dégénère vite, hein. Elles sont où les armes? Ah, voilà, un pied de biche, allez. Mon inventaire est vide. Tout est dans la bagnole. Tu crois que le zombie va continuer à conduire à ma place? Bah, beaucoup, je pense que tu vas te bouffer un arbre et puis que ça sera arrêté là. Il y a deux zombies qui rentrent. Ah putain, j'arrive. Attends, je vais fermer déjà pour. Je passe l'étalage de légumes. Elle fait un bruit bizarre la bagnole quand même, hein. Je sais pas l'état du van, mais le van il a pris très cher. Comme si elle en pouvait plus. T'as peut-être encore de l'essence? Oh, j'ai plein d'essence. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça va. Plein d'essence, plein de batterie. Ah oui, ton capot est mort, ton coffre est mort, t'as plus de fenêtre à l'avant. Les portes elles sont quasiment mortes, t'as plus de porte à l'arrière. Tes feux sont dans les choux. Le moteur il est à 23%. Et bah moi ma vie remonte. Bah normalement ouais, elle est censée remonter, hein. Malgré mes bandages sales et tout. Ah, un camion. Allez, on va essayer de tout prendre. Ouais, et beaucoup de monde devant le restaurant aussi, merde. Chier. Hop, je vais ranger tous les livres. Et vous avez réussi à rentrer, vous, voilà? On est arrivé, ouais, ça y est. Oh putain, mais il y a du monde partout, c'est l'enfer. C'est au secours. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai dans le. 1, 2, 3. Dans le coffre du. Dans le coffre du van de télé, là, il y avait quand même. Ouais, j'avais vu des trucs électroniques, non? Non, il y avait une bouteille de bourbon. Oui, j'ai mis plein de trucs. Ah, oui, d'accord, ok. Et c'est moi qui l'ai mis le bourbon. C'est mon bourbon. Il me semblait qu'il était bon de base. À moi. J'ai un module de numérisation, par contre, qui doit probablement être un truc assez rare. La bagnole, elle fait vraiment un bruit d'avion, hein. À mon avis, c'est vraiment pas normal. Bah non, mais de toute façon, tu roules jusqu'à ce que tu puisses plus rouler, quoi. Je peux pas faire grand chose d'autre, hein. Mécanique volume 2, on a. Cool, ça on l'avait pas. J'ai l'impression de rouler en première et d'avoir oublié de passer les vitesses, tu vois. Je suis à 90 en première là. Ouais, mais c'est possible que le moteur soit dans le mal, hein. C'est pas déconnant. Hein. Cuisine volume 2, on l'a, c'est bien. Si t'as la pêche volume 3, on a presque tous les livres de pêche. Ah, j'arrive. On donnera déjà des livres, hein. Travail du métier volume 1 et 2. Enfin, 1 et 3. Vous m'ouvrez la porte? Ah, faut qu'on ouvre la porte. Attends, j'arrive. Je pose le livre. Est-ce que le module de numérisation, vous voyez un endroit où je pourrais le mettre? Alors, du coup, plutôt en haut, Slan. Vas-y doucement, il y a le van, mais il est assez au fond.
Vas-y, avance un peu encore. Nickel, je ferme. C'est bon, c'est fermé. Comme tu peux le constater, je suis pas bien. Regarde. Je te vois même pas. T'es où? Là? Je te vois pas. D'accord, tant pis. Moi je me vois. What the fuck? Top, t'es sur moi là, je suis sur toi. Je te vois pas. Je vois la voiture, oh, je voyais la voiture rouler et tout, mais je te vois pas toi. Ah et là ça y est. Des gens en zombie. 119 minutes, t'es apparu dans la voiture, je peux pas rentrer dans la voiture. Eh, ça y est, je te vois. Oh là là, bah oui, mais tu veux que je te mette un coup de barre, peut-être. Va crever dehors, là. Alors, toutes mes affaires sont dans la bagnole. Dans les sièges et tout ça. On va s'occuper de ça. Je sais pas si je vais... Je pourrais peut-être survivre. J'ai été mordu deux fois, techniquement, c'est compliqué. Ouais, mordu deux fois, c'est compliqué, ouais. Y'a des zombies devant. Va te sacrifier pour la cause. Ah ouais, t'as plus de capot. Par contre, le moteur est en très bon état. Portière de coffre, coffre, capot. Bon, bah on va commencer à démonter des trucs. Hein. Alors, on peut réparer. Chance de succès 60%. Je peux le retirer. Allez, c'est parti. On va essayer de démonter un peu. Bon. Ah. Tu veux mourir un peu plus. Je peux. Merci. C'est où le PVP? Ça, tu dois désactiver ta minimap. Hein? Donc tu, sur le menu en haut à gauche, tu vas sur la carte. Ah, le coffre, je peux pas le... En fait, ça désactive ta minimap. Ça fait apparaître le bouton PVP. Le bouton PVP juste derrière. Ce qui est un peu con comme concept. D'accord, j'ai compris. Tu peux bouger la minimap si t'as envie. Ça marche. Là, je suis en PVP. Désolé, je peux pas faire plus sauvage que ça. Ça, 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 ça. Voilà. Ça a pas été long. Et heureusement, tu avais gardé la clé sur toi. Et je n'ai tué que 34 zombies, j'avais l'impression tellement d'en avoir tué plus, quoi. Ah, la tristesse. Ça fait deux fois que tu me tues, toi. Ah non, te fais pas bouffer! Mais t'as l'air un peu fatigué là quand même. Non. Ah bah il a genre très faim, très soif. Ouais, c'est et très ras-le-bol. Et peut-être aussi il a une énorme gueule de bois. t'as un petit peu bu des trucs, c'est ça? Et Slan qui râle parce qu'on remet pas les clés, mais il a pas remis la clé non plus. Hein. Ah, bah, parfait, pas la cuisine. Non, j'ai retrouvé sur ton cadavre. Ah, quand on coupe le moteur. Tu la prends, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Tu dois la prendre et puis recliquer dessus pour la remettre dedans. Ouais, c'est pas simple, hein, du coup. D'accord. Faut la prendre et recliquer dessus pour la mettre dedans. Ouais. Alors, est-ce que y aurait un endroit où je pourrais ranger mon kit de couture, ma colle à bois et mon module de numérisation, là, comme ça, au feeling? Un endroit, quand tu rentres là où il y a le l'évier, là où on boit. À droite sur l'étage vert, la partie de gauche, il y a un peu tout ce qui est consommable, qu'on sait pas trop quoi en faire encore, qui va peut-être servir à construire. Il y a okay. Du scotch, de la colle. Oh on non! J'apparais dans une maison direct à un zombie qui passe la porte. Salut! Bonjour! Parfait. Coucou, c'est moi! C'est la haine. Là, c'est les fringues. Bon, j'arrive. T'as réussi à retourner à la maison, Dame Ned? Non, tu rigoles, pas du tout. Je me suis approché. Déjà, je suis dans la ville, c'est pas mal. Mais alors, bah, là, on apparaît dans la ville. On a tellement pas le choix. Oui, non, mais je suis en plein centre, je veux dire. Enfin, je suis dans le centre, quoi. Ouais. Après, de là à dire que j'ai retrouvé. Oulala. Bon, je vais dans dire une maison calme, déjà. Ouais, après, là-bas, t'améliores ton fitness. Hein. Alors, j'ai pas trouvé où était ta caisse, Damned, mais c'est pas grave. Eh ben c'est pas une caisse, c'est une étagère. Une étagère. Ah c'est de cette étagère là alors sans doute. Ouais ok c'est là. Donc je pose ça, je pose ça, je pose ça, hop. Ça doit être une star. La boîte de clous. Il est soufflé. Il va se reposer. Hop voilà. L'ouvre-boîte je vais le poser là-bas. Et on pourrait pas noter notre propre minimap? Ça serait bien. Si tu peux mais il te faut un crayon. Bah si, il te faut un crayon ouais. Si t'as un et crayon donc, ton inventaire, minimap, tu peux. À droite, ça va apparaître les textes que t'as mis. J'ai jamais testé.
Jamais testé non plus, mais théoriquement tu peux annoter avec un crayon, donc je pense que ouais. Je vais regarder s'il n'y en a pas un crayon. Je crois que j'avais un crayon qui traîne par là-bas. Bon, je crois qu'il va falloir que je prépare un truc à bouffer. On va boire ça déjà. Content, tellement content d'être super discret. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cuisiner ? Alors, la minimap, ça ne reprend pas les... Les annotations ? La minimap ne reprend pas les annotations. C'est dommage. En effet. Bon, bah c'était une bien grande maison, mais pour pas grand chose dedans. Je peux rien faire. Ça m'a permis de... C'est dommage ça. Moi j'ai pas eu le temps de fouiller, je rentre direct. Ouais, faut pouvoir rentrer, y'a du chemin hein, pour arriver à la base. Bah tu cours. Merde, putain, mais j'ai pas besoin de 25 rouleaux à pâtisserie. What else ? Ouais, ouais, what else, ouais. Et d'ailleurs, c'est discrétion, ça avance. Hein. Qui c'est qui a pris la poêle à frire où il y avait mon sauté dedans ? Elle était sur un des sièges du véhicule. Merde. Enfin, du van notamment. Sur le siège directement. Ok, bon bah je verrai si. Ouais, je peux bah c'était pour que Katox mange, ouais, notamment. Je suis fatigué. Je sais plus comment on fait pour faire du pain, tant pis. On va se contenter. Mais y'a du monde là-dedans. Oh là 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 là. Oh. Bon bah je vais vous faire un petit rôti de légumes, hein, voilà, l'ancienne. Mon fitness il monte. Plus que 11 992 et hop. Ah ouais. Ah putain, je suis tellement triste d'avoir enlevé le... D'avoir bouffé le sel par erreur, on a plus de sel quoi. T'as mangé le sel. Ouais, dans un épisode précédent... Je voulais le stocker, j'ai dû double cliquer, sauf que je devais pas avoir le bon conteneur d'ouvert, il l'a bouffé. Ah bravo. Ouais ouais, c'est très con, ouais. Ouais d'accord. Et surtout derrière, après, il a fallu que je bois 25 fois quoi, parce que... Ah ouais. Mon mec il en pouvait plus. Personnage qui dit j'ai soif, sans déconner. C'est ça. Ah c'est quoi, je trouve un magasin qui vend des frigos, des sèche-linges et tout dans la ville. Ça, bah, c'est classe. Coup. Ah ouais, des fours, il y a tout. C'est un Darty quoi. Nickel. Bon bah moi j'ai pu m'asseoir pour reprendre mon souffle. Faudrait que je sois en train d'arriver. Après. Oh, remarque, il est là. Quelqu'un veut aller chercher Damned ? En ce sens, je pense que je suis aux portes de la mort donc. Faudrait-il que je sache exactement où je suis, cela dit, mais. Ouais, c'est peut-être ça qui bloque plutôt, ouais. Moi je fais un petit truc à cuire pour bouffer et après je m'occupe de réparer les voitures parce que niveau capot et tout c'est le bordel. L'idéal ça serait que la chevalier d'art on puisse l'utiliser parce que c'est quand même la plus rapide qu'on a. Pour aller chercher des gens ça peut être pratique quoi. Alors moi je suis en train d'arriver là. Ah, j'ai perdu mon arme, ah oui d'accord, bon bah c'est con. Ça y est je suis aux tombes, bonne nouvelle. Je crois que je suis pas très loin. Hein. De ce que j'en vois en tout cas. Mais t'as une map qui t'indique. Ouais, c'est pour ça. Je pense que je suis pas très loin. Ah, ça marche. Bon alors, dans la voiture. Ouais. J'ai fait cuire mon rôti et j'ai une petite musique. J'ai gagné un niveau de cuisine. Ouais, j'ai gagné un niveau de cuisine. C'est vert. Excellent. Ça veut dire quoi quand c'est vert ? Faut que je fasse un truc ? Faut que je clique dessus pour le sélectionner ? Non. Bon, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'est pas grave, je vais manger une moitié de mon truc parce qu'il faut vraiment que je bouffe là. T'as faim, Katox, non ? En ce temps, j'essaie de savoir si je vais commencer à te barbouiller ou pas. Ah. Un personnage à chou. Dans tout ce qui est vêtements, en fait, je les ai rangés dans les casiers à vêtements qui sont au-dessus du bâtiment. Moi, j'ai vidé la voiture. Putain. Il y avait une caisse là où j'avais tous les trucs de bagnole. Rhabille un peu. Ah, là, faudrait qu'on ramène un générateur quand même à un moment. Ouais. Ah putain, il est cassé. C'est où est-ce qu'on met les vêtements ? On a un endroit pour les vêtements où c'est la caisse qui est à gauche du. Non, c'est juste avant. C'est la caisse qui est juste dans l'entrée. Bah là où t'es, Slan. Non, la non, caisse à dans gauche du meuble. Enfin, de la salle où il y a l'évier.
C'est là qu'il y a tous les vêtements. Les vêtements, je les ai redéplacés, ils sont parce qu'on a toute une salle de casiers. Donc je les ai mis dans les casiers. Ah oui aussi. Ah, oui. Elle est où cette salle de casiers ? Elle est tout en haut du coup. Tout au fond. Ouest du bâtiment, tout au fond. T'as une salle avec 6 casiers, j'ai commencé par celui le plus loin de l'entrée. Faut 2 en mécanique pour réparer les trucs, ça c'est chiant. Je suis assoiffé. On peut mourir là ? Oui, peut-être. Là on est dehors. Tentez ok, je suis soigné. Ici. Je suis pas loin, mais qu'est-ce que je pourrais foire qui... ouais, c'est à gauche, c'est ça ? Ouais, là. Et t'as une petite... D'accord. Celui-ci. Super. C'est que des propres que t'as mis là-dedans ? Quasiment. Je pense qu'il y a peut-être un ensanglanté, mais c'est une veste qui fonctionne bien. La caisse où il y avait les vêtements, je propose de mettre tous les trucs cassés et autres que... qu'on puisse, quand on doit s'entraîner pour la couture ou pour que sais-je. La couture, ouais, ça 50, va être moi. 50, enfin, 50-50. Comme ça, tu sais que c'est là-dedans, tu vois. J'ai des bottes militaires, mais ça protège de que dalle. Merde. Bottes militaires, normalement si, hein. C'est résistance aux montures 100, aux égratignures 100. Ouais, vu le nom... Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est vrai, ouais. Purée. Ouais, c'est sévère. Hein. Comme je suis pompier, j'en aurai à chaque fois que je vais apparaître, alors. Pas toujours, ça dépend. D'accord, parce que j'ai 2 pantalons de pompier. Allez, essayez de remettre le capot. Pour l'instant, je mets tout ce qui est sale, abîmé et tout au même endroit. Bon. Je viendrai m'occuper de cette salle, je mettrai... Mais tout ce qui est abîmé, je mets à côté, tout ce qui est sale, je mets dans les poubelles, en fait. Ouais, mais de toute façon, je viendrai ici pour ranger plus tard. Bon, je désosse la chevalier d'art qui est plus au fond, hein, je préviens. Ça roule. T'es encore mort ? Ah, je suis à bout de souffle. Tu peux t'asseoir, hein. Ça je peux vite, pas hein. Je peux pas, j'arrive. Et les gars, c'est... Attendez les gars, vous savez bien que je suis gros. C'est ça. C'est ça. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Ah, c'est con, je suis arrivé au bâtiment, mais je vais m'asseoir un peu. Hop, une ampoule un peu. Je mets des nouveaux feux aussi, parce qu'ils ont un petit... Il y a quelqu'un qui a dû rentrer dans des zombies avec cette voiture, je sais pas qui. Alors, donc le coffre. La chevalier d'art, je n'ai fait que ça. Bah ouais, je me doute. Que ouais. Ça. Jusqu'au virage, vous aviez en fait attiré tous les zombies sur la route avec vos voitures en passant avant. C'était blindé. J'avais un zombie tous les mètres. Et si je ralentissais, je pouvais plus m'en occuper. Ouais, de toute façon, on va pas. Oh putain, c'est moche quand on a enlevé la portière de coffre. Alors, ah, gros carré noir. Gros carré noir, ouais. Ah putain, je peux pas mettre dans la caisse, c'est trop plein. Alors attends, c'est laquelle ? C'est celle-là. Donc moi je veux celle qui est au-dessus. C'est celle-là. Hop, on va charger. Putain, n'empêche, le temps que j'emmène un câble ma portière jusqu'à la caisse, ma vie elle descend bien. Hein. Et c'est lourd. Hein. Ah ouais, c'est lourd. Je suis en train de trier les livres là. Bon, le problème de la chevalier d'art. Le problème de la chevalier d'art là, c'est que son coffre est à 7%. Du coup, la contenance doit être toute pourrie quoi. Pas grave, parce que t'as 20 par siège. Ouais, et le coffre on peut pas le démonter en fait. On est obligé de le. On est obligé de le réparer. Et j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Mécanique. Ah putain, ouais, faut qu'il aille devant pour que je lui dise va derrière. Très bien, très bien. Pas de soucis, mec, pas de soucis. Alors, portière de coffre, mettre en place. Chance de succès. Ah ben, go, essaye. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme bouquin ? La mécanique volume 4. Merde, raté. T'as cassé. T'as cassé. Non, okay. Bah ça lui enlève quelques pourcentages. À chaque fois que je me rate, mais bon, bah tant pis. Hein. Ça y est. Bon, premier secours nécessaire. J'enlève les livres en double.
Alors l'agriculture, on a que volume 3, l'électricité, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est bien. Donc l'électricité, c'est bon. Est-ce que tu veux essayer de monter tes premiers secours sur moi, Slan? Parce que du coup, à force de porter des trucs lourds, là j'ai perdu de la vie, ça va remonter, mais... T'es où, là? Juste alors, revendiquer, s'asseoir, exploration, marchander, je peux pas te soigner. T'as pas examen médical ou un truc du genre? Inspection médicale. Marchander, revendiquer, aller s'asseoir, exploration, non? T'as pas... Ah, bah même moi j'ai inspection médicale là, juste en haut, juste au-dessus de marchander. Bon après je vois que t'as rien, mais... Enfin si, je vois que t'as une blessure mineure. T'as quoi comme... outil? Là c'est une clé plate que j'ai sur moi là. C'est ce que talent, moi j'ai premier secours. J'ai même pas c'est de parce que t'as secours. Rien pour lequel je puisse faire. Bah peut-être, ouais. Moi je peux voir que t'es blessé mais je peux rien faire. Et vu qu'il me disait blessure légère, premier secours, c'est juste que ça va remonter tout seul, mais je me disais que ça peut peut-être te faire un peu d'XP. Ouais. Tant pis. C'est normal qu'elle soit ouverte la porte de la base là? Oups. Peut-être. Bon, alors du coup, la chevalier d'Art, à part son coffre, elle est en pleine forme. Maintenant, le van. Ouais, il n'y a plus de capot, forcément. Mais on n'en a pas. On n'a pas de capot à mettre. Moi, je vais faire la liste des livres qui manquent par écrit. Bonne idée. Parce que là, on en a plein qui sont... Wouah putain, il ressemble plus à rien. Coffre 0%. Capot 0%. Y'a plus de fenêtre ici. Les portes sont mortes. Je vais essayer de me remettre au moins une fenêtre, fenêtre avant droite. Je peux peut-être la... Est-ce que ça marche si je prends la fenêtre de la chevalier d'Art? On va tester. Faut toujours faire gaffe parce que normalement t'as des modèles. Bah oui, c'est ce qui me semble. Des ouais. Véhicules, t'as solide, normal et sportif, je pense. Et tu peux changer qu'avec ce qu'il y a dans le même modèle. Ouais, je sais, mais les fenêtres, c'est peut-être un peu plus standard, quoi. On va voir. On va tester. Allez, hop. Bon, bah, je commence à lire les trucs dont j'ai besoin. La recherche, la pêche, les premiers secours, et quoi d'autre? La couture. Ah non, ouais. C'est pas la bonne fenêtre. Pas de chance. L'art du trappeur. Alors... C'est quoi ça? Blessure légère, charme extrêmement lourde. Pourquoi j'ai encore des extrêmement lourdes charges? Parce que j'ai plein de trucs à aller ranger. Il va falloir que j'aille ranger mes trucs. Ah bah oui, moi je pensais que quand ta vie baissait, t'avais géré, mais... Non. Ok. Hop là. Bon. Tous les bouquins en trop, qu'est-ce qu'on en fait? Je les mets dans la poubelle? Ouais. Ouais, on pourra démarrer un... Qu'est-ce qui est devant? La poubelle, c'est la caisse qui est devant. La poubelle, c'est les deux poubelles. Les poubelles qui sont juste au-dessous, là. Comme ça, c'est un moyen mnémotechnique facile à retenir, c'est que la poubelle, c'est la poubelle. C'est voilà, là. T'as deux poubelles, là, derrière le minivan, là. Ouais, ouais, mais on peut pas y accéder, là, c'est gênant. Non, si, tu peux y accéder. Comment ça, on peut pas y accéder? La mauvaise bluff. Tu bluffes. Allez, on boit. Bon, je vais lire un bouquin parce que le mec s'ennuie. Ah mais j'ai encore plein de bouquins moi. Voilà, putain mais c'est rapide. Ah mais ça le consomme, hein, ça le consomme quand on le lit, d'accord. Oui, un livre... Parfait. Quoi? Un livre, donc pas un livre d'apprentissage. Mais dans un les livre, livres de recettes, ouais. Ouais. Un livre classique. Livre. Un truc qui s'appelle juste livre là. Voilà, ça le consomme. Ouais, ça les consomme, ouais. Ah, ouais. Ce qui est un peu con. Mais... Après bah, c'est vrai qu'une fois que t'as lu l'histoire, tu la connais, mais... Ouais, bah c'est une manière d'éviter que chaque livre ait un nom et qu'il y en ait 25 millions, quoi. C'est pas si con. Ben non. Ben je veux qu'ils en écrivent tous. Hein. Ouais, je retransfère tout parce que... Pression du pneu. Ah, je peux dégonfler le pneu, gonfler le pneu, pompe à pneu, ok. Je peux le retirer. Il me faut un cric et une clé en croix. Ah, merde. Et je peux pas voir info pièce. Un très mauvais état ou un sous-gonflage peut provoquer leur éclatement. Ah oui, ce serait con que le pneu éclate pendant que tu roules. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Je suis desséché. Ah bah, fais gaffe, faut que tu bois, sinon tu vas commencer à perdre de la vie, ouais. C'est pas bon, hein.
Bon, il est pas en super état, lui, hein. Ça fait chier un peu. Les phares sont morts aussi, mais j'en ai pas d'autres à mettre. Suspension, ça va. Les sièges, ils sont abîmés, mais les sièges, on s'en fout, non? Ça il va nous falloir le générateur hein, et des collecteurs d'eau. Hein. Ça serait bien de commencer par ça, générateur et collecteur d'eau. Il y a plein de sacs poubelles. C'est qui notre électricien? C'est Damned? Ouais, bah, il revient, Damned, alors, hein, doucement. Mais tu revenais déjà il y a une demi-heure? Mais non. On n'est pas tous en train de rush à travers les zombies comme toi. Ou alors il revient. Combien de fois es-tu mort depuis tout à l'heure? Reviens. Qui disait le pays? Ah, moi, quand on me parle du pays, ça me... Ah ouais, il y a des références, là. Reviens. Elle a pété un boulon. Et qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je cherche le boulon. Ah putain. Très bonne référence. Ouais. Ok. Alors, travail des métaux. Je vais aller voir sur le parking s'il n'y aurait pas quelque chose. Les bouquins qui ont été jetés, c'est les bouquins qui sont en surplus alors. En double. Ah, il est là. Ah, il y a une poêle à fuir. Ah oui, ça fait un moment que je suis là, mais deux secondes. Bah, tu dis que tu venais d'arriver. J'ai dit que je venais d'arriver, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais quand il dit que. Mais bon, voilà quoi. Il est là. Avant de le dire, on se dit, on t'étais au moins à 12 km, et puis finalement, non, t'étais là. Ah, il était là. Ce qui est une agréable surprise, hein. Ne pense pas l'inverse. Tiens, je suis sûr que toi, petite camionnette, je peux te démonter là. Les poubelles, c'est pourri comme poubelle. Comment ça, c'est pourri comme poubelle? Ça veut dire quoi, c'est pourri comme poubelle? Eh ben parce que ça transporte que 10, elles sont pleines au bout de 2 secondes. Ah. On va pas faire 70 poubelles. Donc j'utilise la caisse comme poubelle. Tu sais quoi, je vais aller prendre un spécialiste des travaux de métaux, je vais aller démonter la poubelle à double emplacement de 50 et l'infini ouais. Foutre là. Bah pour l'instant j'utilise la caisse comme poubelle. La caisse qui est à gauche de la porte. Alors oui tiens, lire le travail des métaux volume 1, ça pourrait être un bon début. Faut que je m'allège okay. Au bout d'un moment là quand même. Hein. On a une fenêtre. Est-ce que je démonterai pas le capot pendant que j'y suis? Je suis soucieux, je m'ennuie et j'ai faim. Y a normalement, il y a de quoi bouffer dans le micro-ondes. Je vais aller voir ça là. Putain, le moteur il est à 100% ici, c'est beau ça. Bon, allez, maintenant il faut réussir à rentrer avant de mourir. J'ai une pastèque des sucettes. Les sucettes ça pèse rien, j'ai tendance à vouloir les garder sur moi. Dans le micro-ondes. Normalement, il doit y rester un bout de rôti de légumes aux œufs. Alors là, je cours, hein. Attention. Non, je l'ai allumé. Éteins-le. Tu vas faire cramer. Ouais, ça y est. Mais non, mais ouvre-moi le menu mécanique là, tu vas mourir, mec. Arrête de faire n'importe quoi. Allez. Ah, je suis bien nourri. Par contre, j'ai tout mangé. Putain. Le plat à rôtir. Capot avant, type résistant. Bah si, c'est ça normalement. Je remets un plat à rôtir en ferraille dans le micro-ondes. Il est vide? Je vais aller recuisiner 2-3 autres. Ouais, il est vide, ouais. Il est carrément vide. Hop, on dépose ça. Mais je t'ai mis une pastèque, des bonbons à la motte et des sucettes dans le... Nickel. Dans le frigo. On va faire une salade de bonbons. Alors, les bandages sales. Pouvoir ajouter quelques bonbons dans... Il faudrait vraiment que vous montiez la ferronnerie et les trucs qu'on aille chercher. C'est en cours, sauf que ici j'ai pas envie de balancer de l'XP dans rien. Ah oui, c'est vrai que t'attends de mourir, toi. Quand on a une entaille, faut pas utiliser des aiguilles ou un truc dans le genre. Peut-être. Yes, je viens de gagner un point de mécanique, ça c'est bon ça. Excellent. Niveau 2, alors, je vais relire un livre. Et il va falloir qu'on arrête l'épisode, Slan, si tu veux faire une petite outro avant que tu te laves là. Je suis pas en train de me laver, je suis en train de ranger mes saletés. Tissu déchiré, sale, stylo, sac poubelle. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir la vue du cygne. En attendant que Katox et Damned nous fassent leur vue un jour. Et personne n'est mort, encore une fois. Non. Exactement, bah non, tout va bien. Bien évidemment. Nickel. Ouais. A plus tout le monde. Ciao tout le monde. Bisous.